Salut YouTube, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on continue notre aventure sur Mountain Blade 2 Bannerlord. Un jeu formidable, un jeu qu'on surkiffe et dans lequel on se chie dessus. Allez, c'est parti. Pourquoi? Parce qu'on n'a qu'une seule vie pour terminer toute l'aventure. Et là, parti comme c'est parti, Captain Fracas, il voit grand. Captain Fracas, il voit trop grand. Il a un ego surdimensionné. C'est un connard. Non, bon, bref. Et donc là, tout de suite, quand on voit que ça se passe bien, que j'ai 200 000 d'argent qui suffit de multiplier par 10. Ça va, multiplier par 10, c'est pas grand-chose. Et que à partir d'avoir de multiplier par 10... Et si, à l'aide de l'Empire du Sud, j'arrive à choper quelques territoires au niveau ici, chez les Azeraï, eh ben moi, je sens qu'il y a la possibilité de créer mon empire indépendant, et de faire la quête principale du côté de l'Empire indépendant. Et là, c'est vraiment le challenge le plus dur du jeu possible. Donc, est-ce qu'on va partir là-dessus? Je sais pas. Sachant qu'on se met déjà des bâtons dans les roues avec le concept de si je meurs une fois sur le champ de bataille, l'aventure est terminado. Alors, donnez-moi juste un instant, je veux juste config.cheat, je veux retirer les cheats du jeu, et je veux retirer le show framerate. Comment on fait? Je sais plus où c'est. Voilà, enlever l'affichage des images par seconde en haut à droite. On va se garder cette petite musique qui me plaît bien en arrière-plan. Le temps de reprendre nos esprits sur la campagne. Où est-ce qu'on en est? La quête principale, voilà. On en est au moment où on a assemblé la bannière du dragon. Maintenant, il nous faut choisir notre camp. La dernière fois, on avait eu un petit souci on était allé voir ce monsieur et on s'était rendu compte que la quête n'allait pas comme il faut. Bref, si on va voir le monsieur et qu'on lui dit « je me bats avec toi », eh ben c'est terminé, vous vous battez contre l'Empire. Donc on a rechargé et maintenant on va se battre avec l'Empire. Du côté de Picotère, avec ou du moins pour l'Empire indépendamment, on verra. Bon, vous pouvez prendre la quête ici et aller de l'autre côté aussi apparemment, et ça ne dérange pas, mais moi je n'avais pas capté ça la dernière fois, et donc on a rechargé. Petit bonjour, j'ai environ 20 minutes devant moi, et ben, on va passer 20 petites minutes ensemble, pour ça n'intéresse, j'espère que tu vas bien, bienvenue. Ça fait plaisir de te voir à chaque live, là, dernièrement. Mati 12, moi je dirais, en anglais un petit peu. Maddie 12. Bienvenue à toi. J'espère que vous allez bien, combattant. Kiluram, bienvenue à toi. Hello there. À ce soir, combattant, il est prévu de faire du Mordo. Si vous avez le jeu, n'hésitez pas à l'installer. Plus tard dans la journée, on va faire du Mordo. On a préparé un serveur. À la base, on voulait le modder. Mais c'est très compliqué de modder comme on veut, avec les modes qu'on veut et tout, j'ai l'impression. On voulait faire du Star Wars et tout, au final. On va faire du Mordo classico. Mais ça va être marrant, on va être entre nous. Ça va être cool. N'hésitez pas à rejoindre le Discord des combattants pour rejoindre et avoir les infos comme il faut. Par contre, à chaque fois que je veux aller à Epicrotère, hein, à chaque fois pour la quête principale, je me retrouve avec un siège sur les bras. C'est très sympathique. Attendez, il y a un souci, non? Attendez, je crois que j'ai merdé. Attendez, YouTube, on se retrouve tout de suite. Non, tout semble bon, YouTube. J'ai eu un déjà vu quand on est passé devant la forteresse, mais c'est juste que deux fois d'affilée, je me retrouve devant la forteresse avec la quête qui n'est pas faisable. Avec des mecs qui me bloquent. D'ailleurs, pour la quête pour défendre l'Empire, je l'ai fait, mais quand je prends tous les fiefs impériaux, les autres empires me rejoignent pas. C'est normal ou pas? J'avoue que je sais pas. Ça fait très 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 longtemps que j'ai pas fait la quête du côté de l'Empire. Je sais pas comment ça fonctionne. C'est pas une histoire de prendre les fiefs. Hein. C'est une histoire de... Il faut terminer la quête principale. Et lorsque la quête principale est terminée, alors les autres royaumes de l'Empire te rejoignent, je crois. C'est une histoire comme ça. Hein. Il semblerait qu'on soit loin du moment où on peut choper le territoire. Là. Donc comment on va faire? Enfin, où on peut aller voir Epicrotea, pardon, je dis n'importe quoi. Rentrer dans le territoire pour aller parler à la dame. La dame pour la quête principale. Est-ce qu'on a vraiment besoin
Je me suis trompé. J'ai mis clic. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'aller la voir tout de suite? Sachant que... Ah mais attends, mais je me rappelle d'un truc là. On avait déclaré la guerre aux Azeraï la dernière fois, non? J'en suis quasiment sûr. Genre j'étais revenu jusque chez devant les gars là. Genre j'étais revenu devant les Azeraï. Et on s'était quitté là-bas, sauf que j'ai l'impression que j'ai eu un petit saut de sauvegarde. Un petit souci. J'ai eu un petit souci de sauvegarde là. En vrai. YouTube, je vérifie juste la chose en allant voir la VOD et on se retrouve tout de suite. Ok YouTube, donc là, on a re-sauvegardé, on a vérifié. Effectivement, on avait juste fait le trajet entre Marunat, on était passé devant Epicrotea à feu et à sang. Et on était allé devant les Azeraï. Du coup, on y retourne, juste simplement. Et si la guerre n'est pas déclarée contre les Azeraï, alors on la déclarera par nous-mêmes pour suivre les événements de la dernière partie. Et puis on est bon, quoi. Mince, j'aurais dû vendre mes prisonniers. On va le faire plus tard. C'est pas grave. Tant pis. Du coup, ouais, la théorie, c'est que j'ai Alt-F4, le jeu sans sauvegarde la dernière fois. Ce qui est fort probable lorsque je passe d'un jeu à l'autre. Pendant les streams. Mais bon, tant pis. On y va, quoi. On y va. Bon, alors. Petite news, là. Sur la 1.2.0 de Bannerlord. Je pense qu'ils sont en retard sur ce qu'ils avaient prévu. Pour changer. Et que du coup, on aura peut-être la mise à jour fin juin. Pourquoi fin juin? Parce que là, jusqu'au 19 juin, il y a le community manager de Tailwords qui est parti en vacances. Et je vois mal Tailwords sortir un patch aussi majeur que la 1.2. Au moment où le community manager qui est censé répondre au message de tout le monde sur les forums, etc. Ne sera pas là, quoi. Donc, je sais pas. Après, peut-être que je me trompe et qu'ils s'en foutent, hein, mais... Et voilà, quoi. T'es marié dans ta partie ou pas? Absolument pas. J'ai la famille, de la quête principale, quoi. Hein. Mais à part ça, il n'y a pas de famille. Il n'y a pas de femme. Et de toute façon, pour être tout à fait honnête, dans cette campagne, l'objectif n'est pas d'en avoir une. Du moins pour le moment, quoi. Tant que j'ai pas de territoire, de toute façon, avoir une femme, bon, pas trop, je vois pas trop l'intérêt, quoi. Je sais que je me répète, mais tu fais un boulot énorme, je te trouve génial, tu me fais beaucoup rire, et ça fait du bien, merci encore à toi. Sanatores, merci beaucoup. Je me répète peut-être, hein, mais merci beaucoup. Merci pour le soutien, ça fait plaisir. On fait au mieux. On fait au mieux. Moi-même, et puis... Il y a des forgerons, les gens du côté du Discord, les modérateurs. Merci à tous. Sans l'aide qu'on m'apporte, ça serait compliqué de faire tout ce que je fais. Hein. Très clairement. Donc bon. Voilà. Hein. Et en septembre, normalement, voilà, on prévoit la chose là pour que... J'essaie de déléguer le plus possible de tâches dans tout ce que j'aimerais vous proposer comme contenu combattant, que ce soit au niveau du modding ou peut-être la chaîne secondaire par exemple. Et j'aimerais vraiment pouvoir me consacrer vraiment beaucoup plus à la chaîne principale YouTube. Ça fait 6 mois que je parle de ça, même plus, ça fait genre 9 mois. Mais c'est le projet et ça prend du temps et c'est comme ça. Mais je pense qu'à partir de septembre, on sera vraiment pas mal parce que comment on s'est organisé avec ceux que je travaille et tout. On devrait arriver à quelque chose de pas mal. Il n'y a pas de troupes plus haut level là, donc on s'en fout. Ça devrait à peu près s'organiser comme ça. Et à partir de septembre, normalement, je vais beaucoup moins m'occuper de la chaîne secondaire. Et du coup, ça me libérera énormément de temps pour m'occuper de la chaîne principale. Et à partir de ce moment-là, je pense qu'il y a moyen qu'on fasse des petits trucs, quoi. Hein, que ça avance pas mal. Ça avance pas mal dans tous les domaines. Mais bon, chaque chose en son temps. Plus 8% de dégâts avec les arcs. Ouais. 5% de dégâts à l'arc par les troupes de niveau 3 et plus dans votre groupe. Expérience supplémentaire en compétence d'archerie pour le membre du groupe au niveau le plus bas dans cette dernière. Ouais. Plus 3 d'expérience quotidienne aux archers de votre groupe. Ouais. Moi, le petit
Le petit 8% de dégâts là pour moi et le plus de 5% de dégâts pour les mecs sur mon commandement, sachant que je me mets tout le temps officier du régiment d'archers. Je trouve ça pas mal du tout. Zone de protection du bouclier plus large contre les projectiles. Ça, c'est dinguerie, surtout pour notre gameplay actuel. Zone de protection des boucliers augmentée contre les projectiles pour toutes les troupes de votre formation. Moins 20% de dégâts à votre bouclier quand vous bloquez dans la mauvaise direction. Mais ça, c'est trop nul, genre. Genre, ça, comparé à ça, c'est trop nul cette deuxième. Zone de protection des boucliers augmentée contre les projectiles. Donc ça, c'est la même pour les troupes. Lorsqu'elles sont en formation mur de bouclier. Hein ? Zone de protection des boucliers augmentée contre les projectiles pour les troupes de dans votre formation quand elles sont en formation mur de bouclier. Et là, c'est la même compétence, sauf que c'est tout le temps. J'imagine qu'elle est... Dans la théorie, ça voudrait dire qu'elle est plus augmentée de ce côté-là pour qu'elle ait un intérêt, cette compétence. Mais vraiment, entre là et là, tu prends tous les jours ça. Là, dans toutes les situations, tes troupes, elles ont une plus grande protection avec leur bouclier. Et là, c'est seulement quand t'as le mur de bouclier. C'est quoi ce délire, là ? Je prends toujours la 1. Ouais, bah évidemment. Hein. Évidemment, évidemment. Ça semble essentiel. Ça semble être la bonne. On pourrait faire un petit tournoi, mais non, on va directement aller guerroyer. Est-ce qu'on peut provoquer la guerre ? Ils sont prêts. Ah ouais, ils pourraient voter pour faire la guerre contre l'Empire septentrional, donc on va lancer un vote pour faire la guerre contre les Azeraï. Et on y va, on est au même point que la dernière VOD. Désolé YouTube, ça aura pris un petit peu de temps en début de VOD, mais ça nous permet de discuter et se mettre dans le bain, quoi. Ragaïa a créé une armée. On y va. Ah, déjà, je vois une proie. Moi, je suis le chasseur. Pourquoi ? Est-ce que j'ai une ville qui est en surbrillance comme ça ? J'ai fait quelque chose ? J'ai une caisse ? Je sais pas. Bon, il a l'air de courir plus vite que moi. Ça veut dire moult cavalerie, je pense. Après, oui, il est deux fois moins nombreux que moi. Et voilà, il est baisé. Là, il est en train de piller. Moi, j'arrive. Je viens en renfort. Et bim ! Par derrière ! Tel un vrai combattant. Tu l'as sélectionné tout à l'heure. Ah ! J'ai pas fait exprès, si. C'était automatique dans ma tête. Oh, le jeu est quand même beau. Alors oui, YouTube, petite nouveauté. Nouveauté qui, à la fois, en est une... Disons que c'est un retour, voilà, c'est un retour. J'ai mis le mode Realistic Weather. Donc là, on a normalement des météos qui vont changer et qui vont évoluer, etc. Donc dès qu'il va y avoir la pluie sur le champ de bataille, bah, va y avoir de la pluie. Déjà, ça y est pas dans le jeu de base. Et surtout, qu'est-ce que ça va faire ? Ça va faire que mes archers vont être moins efficaces à distance. Ça va faire que la cavalerie va avoir plus de mal à faire des charges rapides, etc. Et donc chaque bataille va être unique avec le système de météo qui est très très cool. Vraiment ce mode est très très cool. Simplement il a ajouté de l'instabilité au jeu dans ses premières versions lorsqu'il est sorti. Et depuis ben il a évolué, donc on va en profiter, quoi. Je devrais avancer mes mecs jusqu'à ici pour les bloquer, quoi. Bloquer tous les cavaliers qui passeraient par là. Voilà. J'ai envoyé ma cavalerie après les archers montés, on est pas mal du tout. Allez, mettez-vous dans la ligne. En ligne, en ligne. Peut-être pas besoin d'étendre à ce point-là. Allez, je vais aller avec mes potes. Au corps à corps, on y va ! Chargez ! Oh là là, tous mes légionnaires, là. Mes fiers soldats ! Battez-vous ! Oh. Non mais... Non mais quand même, faut le dire. Je sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais j'adore ce jeu. Ah, y en a, ils doivent en avoir plein le cul. Y a 50% des viewers YouTube là, ils ont la TF4 la vidéo et ils ont mis un pouce rouge. Mais c'est vrai, genre c'est le seul jeu où quand je reviens dessus après avoir joué à d'autres jeux, genre là dernièrement on a joué à Total War, hier on a joué à Diablo 4, une découverte d'un jeu qui à la base je me dis ouais, c'est pas forcément fait pour moi, mais comme on me l'a offert gratuitement, j'avais envie de découvrir le gameplay et je trouve que je passais vraiment à côté d'une des pièces maîtresses du jeu vidéo, quoi. Donc c'était intéressant, étant donné qu'on m'a donné un jeu gratuit à 60 balles, c'était intéressant de lancer un petit live et découvrir ça en 1h30, quoi. Maintenant je sais. Bref, et bah, c'est le seul jeu quand je reviens dessus
que je lance une petite bataille et que je me balade là, et que je gère mes troupes, que je prépare ma strat et que je me bats dans le combat, que j'ai un truc au fond de moi, genre dans les boyaux, qui fait « Oh putain, c'est bien !»« Oh putain !»« Oh là !»« Là, j'ai ma dose, là, vas-y !»« Mets tout !» C'est vrai. C'est vrai, et c'est trop bien. Je suis trop content de ça à chaque fois. Voilà, avec sa petite cicatrice, lui, là. Vraiment, tout ce que je veux, moi, c'est que le jeu prenne plus de profondeur dans son gameplay, qu'on ait du nouveau contenu avec des DLC, avec des mods. Et franchement, moi, ma vie au niveau jeux vidéo et passion, on est bon. On est bon. Parce que Tale Wars, on les critique beaucoup quand même, des fois, hein, en mode, ils sont trop lents, ils font ça mal, ils rajoutent des bugs, etc. Et je suis le premier à faire ça. Mais quand on compare à une franchise comme Total War, par exemple, eh ben ils suivent un développement qui, moi, me plaît beaucoup plus, quoi. C'est-à-dire qu'ils avaient un jeu, Montez les Warband, et le jeu suivant, c'est le même, mais en beaucoup plus poussé dans tous les aspects, notamment en termes de fonctionnalités qui étaient déjà là, quoi. On n'a pas de nouvelles fonctionnalités, enfin, quoique si, on a tout le système de royaume, de politique et tout, quand même. Hein. Bref, c'est un jeu beaucoup plus poussé, et surtout technologiquement. Et ça, c'est trop bien. Bon, on vend les prisonniers, on se fait des sous, on revend le matos, et on se fait des sous. Et on peut même peut-être équiper nos camarades avec des armures un peu plus Azeraï, qui seraient plus en rapport avec ce que je fais avec mon personnage d'habitude. Même si là, ce que j'ai chopé, c'est loin d'être au niveau de... C'est loin d'être au niveau de ce que mes... ce que mes boys, ils ont sur eux. Ouais. Allez hop, on vend tout. Et puis on se met les musiques de Bannerlord ou on se garde un peu les autres musiques? On peut se garder les autres musiques pour l'instant. C'est assez lent quand même. De quoi? Le développement de Bannerlord? C'est ça que tu dis? Doucement mais sûrement. Il faudrait les batailles impromptues de Shogun 2 dans campagne Bannerlord. Mais alors là, mec. Mais mec, moi, je pète mon crâne. Et je pense que ça serait développable. Hein. Pour être tout à fait honnête, les batailles impromptues, qu'est-ce que c'est pour ceux qui connaissent pas? C'est genre, bah voilà, là, je fais la bataille contre les bandits. Bon, imaginez que c'est une armée à peu près équivalente à la mienne, pour l'exemple. Je fais la bataille contre eux et je peux appuyer sur un bouton. Genre, au lieu de... J'ai l'option jouer la bataille, jouer en résolution auto ou jouer la bataille contre un joueur. Et là, j'appuie et ça recherche un autre joueur qui peut prendre le contrôle de l'IA et se battre à la place de l'IA dans ma campagne. Et lorsque la bataille est terminée, et ben lui, il repart dans sa vie. Et moi, je continue ma campagne avec le résultat de la bataille que lui, il a fait. Et ça, faire ce concept-là que je fais dans Total War Shogun 2, dans Bannerlord, mon Dieu, que ça serait incroyable! Et pour être tout à fait honnête, c'est possible, mais ça demande énormément de taf et de développement. Juste, on n'a pas les capacités pour l'instant avec la force des combattants. On est beaucoup trop peu dans l'équipe. Et on fait déjà beaucoup trop de projets à la fois. Et donc, ça serait complètement folie de se lancer là-dedans. Mais c'est vraiment quelque chose de possible. Et juste, voilà, si on avait plus de monde pour nous aider, un peu plus d'audience qui regarde, etc. C'est quelque chose qui peut tout à fait arriver. Hein. Et pour l'instant, c'est impossible en l'état parce qu'on n'a pas les ressources, le temps de le faire, quoi. Mais avec ce qu'on a actuellement comme outil et les connaissances qu'on a, ça serait possible de faire un système comme ça. En tout cas, un système qui marcherait pour ce stream. Voilà. Un système qui marcherait pour tout le monde. Et genre, tu développes un truc pour que tout le monde se mette à jouer avec dans sa propre campagne et que tout le monde joue dans les campagnes des autres pour jouer l'IA dans les campagnes des autres. Là, ça devient plus complexe. Parce que certes, quelqu'un qui veut jouer contre des joueurs dans sa campagne, je pense qu'il y en aura quand même pas mal. Des gens qui veulent aller jouer dans les campagnes des autres gratuitement, sans rien avoir en surplus, vous voyez ce que je veux dire? Genre, tu gagnes rien à aller jouer dans les campagnes des autres. Et souvent, tu vas te faire déglinguer parce que bah, les joueurs ils prennent pas des batailles imperdables, quoi. Enfin, ingagnables, pardon. Bon, bah, peut-être qu'effectivement, ça sera pas le top du top, quoi. À ce niveau-là. Ça serait faisable, Jim. Est-ce que je suis con? Des fois, quand je parle un peu trop, j'oublie qu'on est dans une campagne où j'ai qu'une seule putain de vie. Je voulais aller défendre le château, mais là, ça va pas être possible. Ah, quoique, est-ce que en faisant le tour complet, là? Je le tente. Non, c'est compliqué.
Ok. Ok. Oh là là. Oh là là. J'avais l'impression d'être sur l'autoroute. En train de doubler là. Je passe la cinquième. Passe par la droite. Et je suis rentré dans la forteresse. Et dis-moi que je peux rentrer. Fils de pute. Ça va vous? Moi ça va. Non, parce que je viens défendre les châteaux des autres. Je viens les aider et tout. J'arrive à temps, je risque tout, le tout pour le tout. Et je me fais casser le cul. C'est vraiment top. C'est vraiment top. Il y avait Redfield qui avait posé une question. J'ai une question, Bannerlord. Mon frère me prétend Mordicus. Qu'aucune compétence de l'intendance qui est censée buffer ta ville si tu es gestionnaire. Prétend Mordicus. Qu'aucune compétence de l'intendance qui est censé buffer ta ville, si tu es gestionnaire de cette ville, ne marche sur le perso principal. Ok. Marche uniquement si c'est un de tes compagnons qui l'a et que tu l'assignes comme dirigeant. Est-ce vrai? Je pense que oui, Redfield, j'ai jamais testé toutes les compétences de gouverneur dans la logique du truc. J'ai jamais testé, je peux pas le dire. Mais tout, dès qu'il y a une compétence qui est en tant que gouverneur, voilà, par exemple ça. Plus un recrutement de ministres dans la colonie gouvernée. Moi, dans ma logique, c'est si tu places un compagnon en tant que gouverneur, alors ça marche. Si tu es un joueur et que tu vas dans une ville et que tu attends juste dans la ville pendant des plombes, pour moi, tu devrais être le gouverneur s'il n'y a pas de gouverneur assigné. Et si c'est ta ville. Mais je pense pas que ce soit implémenté dans le jeu et je pense pas que ça marche comme ça. Donc je pense effectivement que toutes les compétences de gouverneur pour le joueur, ça sert juste à rien. Moi, je pense que c'est ça. Après, c'est purement ce que je pense. J'ai jamais testé. Et c'est fort probable que, en réalité, ça fonctionne et que j'ai jamais vu la chose fonctionner comme ça ou quoi. Bref, voilà. C'est ça, je vois pas l'intérêt pour le joueur de prendre le contrôle de l'IA. Bah, celui qui vient en face. Les gens préfèrent la coop de campagne, je pense. Oui, mais ça, on sait pas. Enfin, ça, le dev, c'est tout autre chose. Développer un système de coop. De gens qui peuvent jouer en coop et tout, c'est vraiment différent. Et ça serait pas faisable comme ce que je vous ai dit, l'autre système quoi. Et puis il y a déjà des gens qui sont en train de développer le système de coop de campagne. Mais ça fait 3 ans qu'ils sont dessus et pour être tout à fait honnête, ils ont pas avancé plus que ça. Parce que ça prend énormément de temps. Enfin ils ont des builds de test et tout où on les voit se taper dans des arènes et tout, mais... Mais on est sur un délire. C'est encore grandement en développement. Et puis les arènes, elles fonctionnent pas très bien, quoi. Alors qu'en multi, on a déjà tout ça, oui. Bref. Je vais pas m'étendre. J'en parle souvent, quoi. Mais je vais pas m'étendre sur le sujet plus que ça. Mais le fait de créer un système dans lequel les joueurs viendraient jouer dans les campagnes des autres, c'est que quand tu vas jouer dans la campagne d'un autre, il faudrait qu'il y ait quelque chose à gagner. Que ce soit quelque chose que tu puisses utiliser dans le jeu et tout. Pour moi, c'est une fonctionnalité qui devrait être... Je pense ça souvent à Total War, mais par exemple, dans un Total War, si Creative Assembly rajoute cette fonctionnalité, il faudrait que le fait d'aller jouer dans les campagnes des autres, ça te fasse gagner des choses. Du type, ça te fait gagner des skins pour personnaliser ta faction personnelle que tu pourrais créer et jouer dans ta campagne solo, quoi. Un truc comme ça, faire en sorte que tu puisses... débloquer des skins pour tes troupes, débloquer des styles d'architecture pour tes bâtiments, de nouvelles cultures, peut-être un peu what the fuck, ou même des cultures classico, historiques, j'en sais rien, bref. Genre tu choisis une culture pour créer ta propre faction au début, et après toutes les autres cultures qui existent dans le jeu, il faut les débloquer, tu vois, en allant jouer dans la campagne des autres. Et tu pourrais créer un système de... Un système de DLC cosmétique avec ce système là pour faire beaucoup d'argent chez Creative Assembly par exemple. Bref, faudrait tout un système comme ça. Et du coup pour un mode, ce n'est pas viable. Hein. On va pas commencer à créer des systèmes de skins et tout dans un mode. Enfin ça serait bizarre je trouve. C'est pas le but des mods. Ça c'est les jeux complets qui font ça. Bref, c'est pour ça que j'ai dit ce truc là ça marchait vachement bien pour ce stream. Mais pour faire la fonctionnalité de quand on fait une bataille, il y a un joueur qui peut jouer en face pour le mainstream et que de plein de gens y jouent. J'ai pas encore trouvé le truc quoi de comment on fait faire jouer les gens dans les campagnes des autres quoi. Et je cherche pas forcément à trouver comment faire pour que les gens soient intéressés par ça quoi.
Moi, si on fait la fonctionnalité que ça marche pour mon stream, ça me suffit, ça me va. Hein. J'avais pas laissé mon canasson dans le coin là. Bon, on a tué l'archer monté. Maintenant, on avance. J'aimerais plus un mode coopération de plusieurs joueurs. Alors ça, c'est ce que je viens de dire. C'est que c'est beaucoup plus compliqué à développer. Et il y a déjà une équipe qui travaille dessus depuis 2020. Et pour l'instant, bah, leur progrès est certain. Mais très très lent et très compliqué. Et le résultat final n'est pas garanti parce que... ben, il y a énormément de choses à synchroniser. Et c'est à voir, quoi. C'est à voir si ça tourne bien ou pas. S'il n'y a pas trop de bugs, etc. Parce que bon, si on a un mode coop qui marche de A à Z, mais que le mode coop il est injouable, bon ben, c'est de la merde quoi. Bref, on verra quoi. Un mode coop est un peu moins compliqué à faire, je pense. Non, voilà, c'est carrément plus compliqué à faire. Serait qu'un pote puisse jouer un compagnon et diriger un groupe assigné dans le commandement de l'armée. Alors le commandement de l'armée, si, c'est carrément plus dur à faire ça. 100 fois plus dur à faire. Parce que tu dois prendre le solo et complètement le synchroniser avec le multi. Alors que moi, ce que je vous parle comme fonctionnalité, ça serait juste... moi, dans ma campagne, j'appuie sur un bouton. Ça envoie un fichier texte au serveur sur lequel il y a les serveurs multijoueurs actuels de Bannerlord qui tournent. Et le serveur multijoueur, lui, se met avec les mêmes paramétrages que la campagne solo, là, donc la bataille solo. Un peu comme le mode Crusader Blade ou le mode Crusader Wars pour Total War et Crusader Kings. Ces modes-là vous permettent de vous jouer votre campagne solo dans Crusader Kings, par exemple. Et dès qu'il y a une bataille, vous pouvez la jouer soit dans Bannerlord, soit dans Total War. Et bah, ça serait reprendre un peu le même concept comme ça, sauf que c'est pas deux jeux différents, c'est vraiment solo et multi, d'un côté et de l'autre. Et t'envoies simplement les données pour faire la bataille côté multi. Et après, quand la bataille multi est terminée, t'envoies simplement les données vers le solo, et le solo récupère ces données-là. Et ça, c'est beaucoup plus simple à faire que de prendre tout le solo. Et chaque action de chaque personnage, de chaque ligne de code, de comportement d'IA, de comportement économique, de ce que vous voulez, je sais pas, du déplacement des personnages, de physique du jeu, d'interaction entre les armes et tout, il faut les synchroniser et faire que chaque joueur voit la même chose. Ça n'a rien à voir comme taf. Rien à voir. Ça, c'est un mode full coop, c'est quasi impossible. C'est ce que les devs sont en train de faire, hein. Les devs du mode coop, ils sont en train de travailler là-dessus. Hein. Hop là. Bon, on avance les archers, c'est parti. Infanterie ici. Allez me tuer lui là. Je comparais par rapport au fait de faire un mode full coop, plusieurs joueurs indépendants sur une campagne. Ça revient tout le travail de synchronisation que je viens de te dire, ça revient au même que ce soit des joueurs indépendants sur une carte de campagne ou que ce soit des joueurs dans le même groupe. C'est exactement la même chose au niveau des batailles par exemple. Au niveau des batailles, au niveau du déplacement dans les vides, etc., ça revient au même. Donc, il y a trois quarts du boulot, ça reste pareil, tu vois. Après, ouais, la carte de campagne, ça peut éventuellement un peu évoluer, et voilà, quoi. J'aimerais réafficher... Voilà, les morts en haut à droite de l'écran. Les morts et les vivants. J'ai envoyé ma cavalerie de ce côté-là. Si c'est seulement pour les batailles qu'il vient aider. Bah il fait quoi le joueur le joueur qui est en coop dans le groupe d'un autre joueur, il fait quoi pendant que moi imaginons je suis le joueur principal. Imaginons je suis le joueur principal d'une campagne coop là. Et donc c'est moi qui dirige le groupe en solo. Il fait quoi le deuxième joueur lorsque moi je suis en train de me balader sur la carte de campagne, que je passe 30 minutes à me balader d'un endroit à l'autre en esquivant des armées, des paysans, enfin des bandits pardon, etc. Ah, faudrait qu'il voit au moins la carte de campagne pareil que l'autre joueur. Des gaufres, ouais voilà, mais c'est pas très viable, vous voyez.
Salut Captain, tu as des news toi pour Full Invasion 3? Ils en ont sorti il y a pas longtemps, comme quoi ils allaient bientôt sortir une nouvelle mise à jour. Mais j'avais pas vu ce qu'il y avait dedans. Ils sont encore loin de d'être au stade de Full Invasion 2 sur Warband quoi. Mais ça avance et puis ils taffent. Hein. Globalement, c'est ça le délire. Lui là, bam. Non. Bon bah lui. Une petite peau. Hop là, prends ce bouclier. Et le reste, on prend tout. Parfait. Et chacun son groupe, et pendant que l'un fait sa bataille, le monde tourne pour le deuxième en vitesse 1. Bah ça, c'est ce qu'ils sont en train de développer, mais ça fait 3 ans qu'ils sont dessus et que ça avance pas. Pas beaucoup. Ça avance, hein. Ça serait... ça serait très très mensonger de dire que ça avance pas, mais on est clairement pas sur un délire où le mode il sort demain et il est nickel quoi. Il commence à y avoir des versions alpha test sur, comme je vous ai dit, dans tu te balades dans une taverne, tu te balades dans une arène, etc. Mais l'expérience complète de tu te balades sur la carte de campagne, tu vois les autres joueurs, tu peux faire des batailles avec n'importe qui, les autres ils font leur vie pendant que toi t'es fait les batailles et tout, on en est loin. Sans bug, hein, attention. Parce qu'une version alpha ou... ça marchouille, pourquoi pas. On en est peut-être pas si loin, ça va peut-être même sortir cette année. Une version complète où il y a zéro crash et tout marche nickel. Aucune désynchronisation. C'est un autre délire. On va vendre les prisonniers et on va aller aider la défense de la forteresse, je pense. On peut même surcruter un petit peu plus de... Ah non, j'ai juste eu des blessés, donc on y va. Let's go. Bon, objectif. Essayer de combattre les Azeraïs, choper des territoires et que je me les fasse attribuer le plus vite possible. Et en me faisant attribuer des territoires, du coup, je développe mon royaume Azeraï. Mon futur royaume Azeraï, mon futur empire personnel. À voir. Peut-être que je resterai attaché à l'Empire du Sud, c'est pas encore validé. Mais c'est le rêve fou. Et des fois, les rêves, voilà, il faut savoir... Les laisser de côté pour vivre une vie tranquille. Des fois. Est-ce que je me sacrifie pour aller défendre, étant donné qu'il y a 3 catapultes? Je pense que oui, mais il faut attendre que l'ennemi se lance à l'assaut, selon moi. Sinon, il y a une chance que je rentre dans la forteresse et qu'ils annulent l'attaque. Peut-être un petit peu trop fort, ça, d'ailleurs, le fait que le joueur puisse faire ça. Après, c'est une volonté de design du jeu, hein. Pour qu'on puisse faire des défenses de siège, parce que sinon on fait jamais des défenses de siège dans le jeu. Il y a beaucoup de joueurs qui se plaignent comme quoi ils font jamais de défense de siège dans Badlands. Alors qu'en fait, bon... What do you want, stranger? Il suffit d'aller les chercher, quoi. Mais il faut faire l'effort. Il faudrait une carte de campagne tour par tour, sinon c'est compliqué, je dirais. Oula. Oula. Et du coup, tu fais une campagne tour par tour, comme dans Total War Warhammer 3, où ça s'arrête toutes les 30 secondes dès que t'es à plus de 3 joueurs. Je suis pas sûr que ce soit la bonne strat non plus. Hein. Pour moi, une campagne en temps réel, et les batailles, tous les joueurs sont dedans, ce sera le mieux. Pour moi, il y a un équilibre à aller chercher. Un équilibre où la plupart de tes batailles, tu les fais en résolution auto. Genre, toutes les batailles qui ont pas d'importance, tu les fais en résolution auto. Et genre, une fois par heure, ou je sais pas, une fois toutes les... Un nombre que tu peux setup comme tu veux, toi. Chaque personne qui host sa game. Tu peux setup le fait que chaque joueur, il a la possibilité de lancer une bataille manuelle où tout le monde, du coup, doit jouer dans sa bataille. Une ou deux batailles par demi-heure, je sais pas, ou par heure. Faudrait trouver l'équilibre, quoi, mais... Ça serait le bon équilibre, je pense. MDR, le gars qui était tout content de te voir. C'est vrai que c'était mes potes à la base, les Azeraïs, hein. Mais bon, ça va le redevenir. Ce n'est que pour un temps. J'avais dit merci à Just Gwen pour le Prime. Je crois pas. Je crois que je l'ai raté. Merci beaucoup pour le Prime si t'es encore là. Ce qui manque au jeu, c'est des éléphants de guerre. Ce qui manque au jeu... Non, ça manque pas.
Est-ce que ça le rendrait plus sympa et dingue? Oui, moi je serais le premier content qu'il y ait des éléphants de guerre. Ce qui manque au jeu. Pas sûr que ça manque au jeu. Bon, pourquoi ils chargent la ligne ennemie là? Qu'est-ce qu'ils m'ont... J'ai jamais demandé de charger la cavalerie. Bon, après la cavalerie est dans la ligne ennemie. Bon, repli, j'ai fait une connerie, pardon. Pardon les copains. Non, revenez les copains. Non, revenez. Déconnez pas. Ça et des batailles navales. Pareil, est-ce que ça manque des batailles navales? Non. Est-ce que le fait qu'il y ait des batailles navales d'ajouter et ça rajoute beaucoup plus de fonctionnalités, de type de bataille et de nouveaux de fraîcheur au jeu, quoi. Oui, ça c'est incroyable. C'est pas quelque chose qui le manque. Un truc qui manque pour moi, tu vois, c'est le fait de pouvoir cibler des formations avec notre héros, tu vois. Genre dire aux archers de tirer sur les archers ennemis, par exemple, ou des trucs comme ça. Ça manque. Notamment en multijoueur dans le mode Captain Mode. En solo, ça va à peu près parce que l'IA fonctionne pareil que nous, quoi. Et que les batailles sont assez simples. Mais ouais, ça c'est quelque chose qui manque, je trouve. Ce qui manque aussi, c'est par exemple le fait que les royaumes ne se détruisent pas assez facilement, qu'il faut décapiter tout le monde dans un royaume pour que le royaume soit détruit. Ça c'est débile, il faut un système qui rende ça plus simple. Et ça va être ajouté par les devs, ça manque. Il y a une différence entre ce qui manque et ce qui serait dingue à ajouter et qui rendrait le jeu beaucoup plus... encore plus fou qu'il est actuellement, quoi. Je trouve. Moi, j'aimerais plus de gameplay, choses à faire dans le jeu. Ouais, je suis assez d'accord, mais il faudrait pas s'éparpiller non plus, tu vois. Genre, rajouter toute une branche de gameplay sur des jeux de table, genre étendre les jeux de table, là, et en rajouter 40 dans les tavernes, je suis pas sûr que ce soit le move à faire, quoi, tu vois. Par contre, rajouter un gameplay bateau, et puis... par-dessus un système de marchands plus élaboré peut-être, de commerce où tu te balades en bateau d'une côte à l'autre et tout, peut-être que ça serait intéressant. Bref, peut-être des événements aléatoires aussi qui t'arrêtent sur la carte de campagne, genre tu te balades de château à l'Icaron et t'as un petit pop-up qui s'affiche au milieu de l'écran et qui te dit tiens, vous venez de croiser un mendiant sur la route, est-ce que vous voulez prendre avec vous et l'amener jusqu'à la prochaine ville ou des trucs comme ça. Ça pourrait être marrant. Il y a des modes qui le font, mais c'est pas encore très développé, je crois. On va entrer dans la forteresse et je sacrifie 28 mecs. Mais, en vrai, ça passe, non? Après, les Azeraï, ils ont souvent des bonnes troupes, hein. Ah, ils ont beaucoup de caves et tout. Mais en vrai, avec 3 catapultes, jamais ils passent. Ah ouais, il y a quand même... Oh, c'est risqué. Ah ouais, en plus... Oh, je suis trop con, j'y suis allé alors qu'il y avait 3000 hommes qui arrivaient. Oh, si on perd la campagne là-dessus, si je meurs là-dessus... C'est catastrophique. Parce que là, vraiment, j'ai sacrifié des hommes, je me suis tué pour rien alors qu'il y avait des potes qui arrivaient, quoi. C'est genre, il y a les Rohirrim du rang en haut de la colline, il y a Théoden, il leur dit non ! Barrez-vous ! Et Homer, tu es banni ! Casse-toi ! Je te déteste ! Bon, par contre, là, déjà, ça pue. Parce que la game, elle commence sans rien me demander, alors que j'aimerais placer mes troupes. Oh là, il y a un perso, il vient d'augmenter ses compétences d'ingénierie, là. Oh, c'est marrant, c'est un compagnon. Oh là là, je crois que je viens de comprendre une strat, combattant, là. Vous prenez un compagnon, vous le mettez dans un groupe tout seul, et vous le placez à côté d'une catapulte. C'est lui qui va prendre la catapulte pour tirer. Et c'est lui qui va farmer les points d'ingénierie. Et du coup, vous faites level up votre pote, comme ça. Plutôt que ce soit des randoms qui tirent à la catapulte et qui fassent énormément de kills, et ben c'est votre pote qui tire avec, avec la catapulte. Oh, c'est une catastrophe. Non, c'est une... Non, mais c'est horrible. Non, mais y a rien qui va. Parce que là, ils vont pouvoir placer le... Oh là 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 là. Vite. Bon, j'arrête de parler, il faut que je me concentre. Il faut péter le bélier et il y a la tour de siège qui va pouvoir se placer parce que les catapultes sont très mal placées. Il fallait une catapulte pour détruire la tour de siège et là il y en a aucune qui sont placées. Alors toi tu dégages. Est-ce que ça passe?
putain, ça tire trop. Il y en a pas une qui va passer là. Ils vont rentrer tous les côtés. Ouh, ça va pas être facile. Oh là 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 là, le combat va être chaud. Il y a pas fallu mourir rien. Si c'est la merde, il faut abandonner. Oh là là, mais non, en plus là, il y a pas de pot de feu. Non, mais c'est une catastrophe. C'est une cata. Et en plus, je peux pas transférer des troupes d'un régiment à l'autre. Parce que sur ce jeu, cette version-là du jeu, elle est buggée. J'aurais envoyé plein de troupes à la porte pour essayer de contrer les soldats et détruire le bélier. Là. Oh, c'est chaud. Oh, c'est chaud de fou. On va essayer de les calmer au niveau de la porte comme ça. Putain, au niveau de... Ils arrivent au niveau de, le... de la tour de siège. Ça va qu'on a quand même pas mal de troupes qui sont capables de faire pas mal de dégâts et tout. Ça se passe comment au niveau de la tour de siège? Oh, j'entends vachement de cris là. Bon là, au niveau de la porte, pour l'instant, ils sont éclatax. La suite. Là, comment ça se passe? Ils sont en train de se replier. Tout le monde se replie? Ils abandonnent le champ de bataille? Yes! 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 Ça c'est les pots de feu, ça. Ça, c'est les pots de feu, ça. C'est le move. Ah, ça aurait pu très très mal se placer. Hein. Se passer, pardon. Très très mal. Est-ce que ça serait pas le move d'aller chercher la catapulte et de tirer dans le tas? Je suis pas sûr. Gronder aux portes de la ville. Le kill feed sur la map grâce à... Au pire de lancer. Ouais, les pots de feu c'est quand même assez énorme. Mais moi je trouve ça vraiment bien qu'ils aient fait ça comme ça. Hein. Le pot de feu, ouais, pas un pot de feu, c'est trop bien. Puis il y a un côté vraiment satisfaisant et cool. Non, c'est vraiment sympa à jouer. Je trouve pas ça. Certes, c'est très fort. Mais je trouve ça ok, moi. Et allez, peut-être que ça devrait faire à peine moins de dégâts, mais. Mais franchement, c'est grave cool. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, le truc, c'est que dans la prochaine mise à jour, normalement, l'IA va être capable de pousser les échelles. Comme ça là, pendant qu'il y a des troupes dessus, vous voyez là l'échelle elle est au sol. Actuellement, voilà, c'est fait seulement lorsqu'il n'y a pas de troupes qui sont en train de monter sur les échelles. Mais plus tard dans le jeu, il va y avoir un équilibrage dans lequel bah, va y avoir, même lorsqu'il y a des troupes qui montent l'échelle, les gars vont pousser les échelles en fait, en défense. Et donc, si vous êtes en attaquant, que vous perdez votre bélier et que vous avez que deux échelles pour monter, enfin deux échelles, quatre échelles du coup, hein, deux de chaque côté d'une forteresse. Bon courage. Bon courage. Donc en soi, ils sont en train de rendre beaucoup plus difficiles les attaques de forteresse. Que ce soit pour l'IA ou pour les joueurs. Surtout pour l'IA, parce que là, quand t'es en défense, c'est vraiment cool. Mais comme c'est assez rare les défenses, et que bah, c'est ce qui est le plus cool à faire en tant que joueur, je trouve. Enfin, faire une défense contre 10 000 troupes et tu tiens la défense et tout, parce que t'as des opportunités qui te le permettent, c'est vraiment stylé quoi. Sortir, attaquer, hop, on va les terminer. J'aurais peut-être pu faire en résolution auto, mais tant pis, on y va. Oh là là. Tellement satisfaisant d'avoir autant de troupes sur le champ de bataille, vraiment. Hein. Voilà, on va se faire du mal, mais imaginez ça fois des vrais champs de bataille de l'époque. Genre là, il y a quoi? Il y a 1500 personnes, là. Imaginez ça, mais genre, voilà, Waterloo. Encore une fois, je prends toujours cet exemple.
Alors, la dernière fois, j'ai dit 500 000 personnes à Waterloo. Il y en a un dans le chat, dans les commentaires YouTube. Il est arrivé, il a dit « C'est 200 000, connard !» Non, bon, il a pas dit « connard », mais c'est, il était pas loin. Mais du coup, imaginez 200 000. Hein. 200 000 et vous êtes juste un pecno au milieu. Là. Et par contre, vous pouvez commander votre partie du champ de bataille et tout. Ce serait dingue. Hein. Bon, le joueur aurait beaucoup moins d'impact et tout, hein, qu'on soit clair. Ce serait peut-être moins intéressant, du coup, à ce niveau-là. Mais bon, l'immersion serait là et... Ça serait une dinguerie. Bon, on va essayer de faire quelques kills sans mourir. Je vais me concentrer parce que là, ils ont vraiment des troupes d'élite. Voilà. Mon épée rebondit sur eux, donc il faut bien la jouer. Oh là là. Voilà. Allez les copains. Oh là là, le nombre de javelots et de flèches qui s'envolent. C'est très très beau. Dommage que toutes les caves soient à pied. Ce serait une boucherie pendant la retraite. Que toutes les caves soient à pied. Là, à pied ? Tu veux dire pendant les... Ah ! Genre pendant les sièges. Genre tu leur cours après avec de la cavalerie ? Ouais, ce serait marrant. Peut-être un peu déséquilibré. Bon. Non. C'est vrai d'avoir genre quelques chevaux sur une étable ? Ce serait marrant ça. En vrai, c'est un mode qui serait faisable ça. C'est trop stylé. Ah, l'idée me plaît beaucoup. Genre, sur chaque map de siège, t'as une étable. Et genre, t'as des chevaux qui sont en train de bouffer tranquillou. Mais pas énorme, vous voyez, genre 15-20. Et tu peux prendre un de tes régiments d'infanterie, courir à l'étable. Tu leur dis F5. Il y en a 20 qui montent dessus sur les canassons. Bon, alors, est-ce que tu peux. Après, il faudrait pouvoir faire F3, F5 et avoir un filtre qui te permet de simplement déplacer tes troupes vers une autre formation, tous ceux qui sont à cheval. Et après, tu prends ton régiment et tu cours après les fuyards, genre. Tac, 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 tac. Tu prends une unité d'infanterie, tu lui demandes « Ouvrez-moi la porte ! Vite !» Et tu vas les chercher. Ça serait très stylé et puis pas forcément trop, trop fort si t'en as que quelques canassons comme ça. Pendant la fin de siège, ouais, de fou, hein. Ça donnerait plus d'intérêt justement à cette fin de siège qui actuellement, bah, on est simplement sur le joueur qui essaye de tirer à l'autre bout de la map des mecs qui sont en train de fuir et t'arrives pas à les toucher, quoi. J'ai créé un monstre. Non, l'idée est très très cool. Après voilà, comme toute idée, c'est bien beau, mais c'est la réalisation qui compte. Et avec la force des combattants, on a déjà énormément de sujets en cours. On peut pas. Putain, si on était 200 devs dans l'équipe de la force des combattants, je vous le dis, ce serait incroyable. Hein. On en sortirait des trucs. Hein. Qu'est-ce que c'est que ces conneries ? Alors, les bannières ne sont plus buggées dans ma partie. Enfin, là en tout cas, elles sont pas buggées. Mais c'était bizarre. J'ai installé Realistic Weather qui fixe le problème, qui règle le souci. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi j'ai plus les bannières en immonde dégueulasse là? Mais ça me va très bien que ce soit comme ça, mais... Mais j'ai installé un mode qui a réglé le problème. Bon, voilà, c'était risqué. De tenter la bataille, mais là j'ai gagné pas mal en influence, j'ai gagné 63 et j'augmente très 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 vite dans mes statistiques, quoi. Et puis surtout c'est le lore de mon personnage d'aller chercher le combat. C'est un meneur d'hommes, il se bat avec ses hommes. Alors la petite sœur, non, le petit frère qui a augmenté ses stats. On va lui mettre quoi comme stats, j'en sais rien, moi. Des stats en tactique, voilà, comme ça il va gérer des batailles en résolution auto. Tu vas être aussi commerçant, mec. Allez hop. Bon, je recrute des troupes. On va à Danustica pour vendre les prisonniers. Et ensuite on rejoint les copains et puis on va se faire donner la ville. Alors l'astuce, c'est juste avant que la ville soit prise, je vais dans mes fiefs, je vais ici. Et je fais donner. Sinon, c'est plutôt du côté royaume. Je vais sur le truc qui m'appartient. Voilà ça. Et je fais donner. Comme ça, j'ai plus aucun territoire. Et je vais remonter dans la liste des prétendants au nouveau territoire. Quoi. Prétendant à... Ouais, c'est ça, au nouveau territoire qu'on capture avec mon royaume. Parce que lorsque vous êtes un nouveau seigneur... Enfin, lorsque vous êtes un seigneur sans terre, vous êtes en haut de la liste de ceux qui vont être choisis pour le vote de à qui revient le territoire.
Et ensuite, c'est une question de... Est-ce que vous êtes... Merde. Est-ce que vous êtes proche du nouveau territoire qui vient d'être capturé? Genre, si là, on prend cette ville et que moi, je suis le voisin direct de ce château et qu'on prend ce château... Si j'ai cette ville, qu'on prend ce château et que je suis le voisin direct, eh ben, je vais être dans la liste, vous voyez? Enfin, du moins, il y a plus de chances que je sois dans la liste, sauf si j'ai 1 milliard de territoires et que ma priorité dégringole loin, quoi. Hop là. Du moins, c'est l'idée que je m'en fais. Peut-être que ça fonctionne un tout petit peu différemment. Et pour l'instant, j'ai toujours appliqué cette stratégie-là en pensant que ça marchait comme ça. Et j'ai eu aucun souci à ce niveau. Ça a toujours bien marché de mon côté. Hop là, on récupère ça, on va acheter les sœurs d'épée. Non, je sais plus c'est quoi le nom, mais... ça serait pas plus simple que toutes les caves soient à cheval et que tu leur demandes de descendre pour le siège et de monter si tu veux sortir. Au spawn, ouais, ça voudrait dire qu'il faudrait que... Enfin, tu saurais pas à l'avance combien il y a de troupes à faire spawn dans la bataille Redfield. Par rapport à la fonctionnalité dont on parlait tout à l'heure, là, de l'étable que t'aurais dans chaque forteresse et tout. Ça veut dire que, par exemple, tu pourrais avoir 300 cavaliers qui spawnent avec leurs chevaux, et tu leur demandes de descendre de leurs chevaux à plusieurs endroits de la map. Ça veut dire qu'il y aurait des canassons partout dans la forteresse, ça serait très moche, pas très RP. Enfin, ça te sortirait un peu de l'immersion d'avoir des canassons dans toutes les ruelles. Ça bloquerait aussi le déplacement des IA et le flow du champ de bataille, je pense. Et donc, pour moi, ça marcherait pas trop, tu vois. Alors que si tu sais où est-ce qu'elle est l'étable, et qu'il y a une étable à aller chercher, tu dis tout comme moi. Bon bah... c'est bien, c'est qu'on pense pareil. Mais du coup, si tu sais qu'il y a une étable, et que c'est à cet endroit-là que tu vas aller chercher tes 20 cavaliers et tout, et qu'il y en a forcément 20, et qu'ils sont vraiment dans une étable dédiée à ça, et que du coup, ça va pas poser de problème sur les déplacements des différents personnages et tout dans la forteresse, bon bah... Pour moi, ça marcherait mieux comme ça, quoi. En tout cas, je trouve... Après, tu pourrais tout de suite imaginer un système plus dynamique dans lequel bah, t'as plus... Chaque cavalier spawn avec son canasson et au début de la game, il va placer son canasson à un endroit spécial de la forteresse. Et s'il y en a trop, il va placer à un autre endroit et je sais pas quoi. Mais ça fait vraiment beaucoup de dev pour pas grand chose et quelque chose qui est forcément limité par le fait que bon bah au bout d'un moment, il y a juste pas de place. Tu peux pas faire spawner 2000 canassons, quoi, bref. Après, tu pourrais mettre une limite de canassons spawnés. Mais du coup, si t'as des infanteries qui spawnent dans... Enfin, des cavaliers qui spawnent dans le même régiment que les cavaliers et tout, c'est compliqué. Enfin, voilà. Je trouve que c'est pas forcément l'idéal. Ok, donc on rejoint le siège. Plus 10 de morale de combat hein, dans les batailles de siège. Plus 10 de taille de groupe. Ah, moi ça me plaît ça. Plus 5% d'expérience aux troupes dans votre formation. Moins 20 de coups d'influence lors du ralliement de groupe dans une armée. J'appelle plus facilement... Moins 20% de coups d'influence sur les appeler les autres seigneurs dans mon armée. Et après c'est avoir dit plus 10 de morale et plus 10 de troupes dans mon armée, mais j'en ai rien à foutre. Là ça me permet d'avoir plus 500 hommes en plus grâce à l'influence, en utilisant la même influence. Et là ça me permet d'en avoir 10 en plus. Je préfère largement ça. Oh, c'est pas dans mon groupe personnel, mais m'en fous. Plus 20% de pénalité au moral de bataille aux ennemis lorsque vos troupes montées les éliminent à distance. Ouais, capitaine, plus 5% de pénalité au moral de bataille aux ennemis lorsque les troupes montées de votre formation les éliminent à distance. Et c'est la même chose au corps à corps juste ici. Moi je dirais à distance parce que j'ai quand même orienté mon gameplay sur plutôt du gameplay à distance et pas mal d'archers dans mon armée parce qu'on est sur une run justement où je dois survivre et tout, donc plutôt se baser sur du à distance. Et mon personnage, il a plutôt des compétences pour buffer les troupes à distance dans mon armée. On va augmenter peut-être le commandement juste ici à 0, apprentissage 0,00, genre c'est mort quoi, c'est mort l'ingénierie. C'est mort, ça ne montrera plus. Même si j'envoie
valser un milliard de mecs avec un milliard de pots de feu envoyés depuis une catapulte, ça ne fonctionnera pas. Est-ce que j'ai envie d'augmenter ? J'ai bien envie d'augmenter, moi. J'ai bien envie. Même si le commandement mériterait peut-être plus ça. Allez, pour l'instant, ça sera commandant. Commandement, pardon. On va augmenter ça. On va augmenter à distance. Et on est pas mal. Il y a des combattants dans le chat qui utilisent... Enfin, qui ont comme option de campagne le fait d'attribuer automatiquement les atouts de membres du clan. Moi, j'avoue que je me fais plus trop chier avec le fait de spécialiser mes différents compagnons. Parce que je trouve qu'on passe beaucoup, beaucoup de temps dans cet écran, quoi. Pour mon propre personnage, je trouve ça cool. Pour les autres, bah, automatiquement, ils sont level up dans les trucs dans lesquels ils sont déjà forts, j'ai l'impression. Donc bon. Après, c'est sûr que si on veut spécialiser le truc à fond, vaut mieux le faire, hein, moi aussi. J'ai l'impression que la plupart des gens, ils laissent en mode c'est eux qui gèrent leurs compagnons. Mais moi, après 3000 heures de jeu presque, ça va quoi. Bon, pas 3000 heures sur le solo, mais sur Bannerlord en général. Ça va quoi. Ça fait une chose en moins à penser. Ouais, ouais. Je pense que le mieux, ce serait le mode avec étable et tu peux choisir combien de steaks sur pâte spawn au bout de X minutes de bataille. Ouais, peut-être, ouais. Ça va faire quelques semaines que j'en ai pas lancé, que je n'ai pas lancé le jeu, donc je ne pourrais pas te répondre. Je prends plus de plaisir à te voir jouer. Eh bah, y'a pas de soucis, hein. Pas de soucis, merci d'être là. Merci pour tous les follow, combattants. Merci à vous, ça fait plaisir, on se retrouve dans les prochains lives. Bon, par contre, là, vous voyez, j'ai peur, moi. Ils ont beau avoir que 500 mecs, quand on va passer à l'assaut, là, et qu'ils ont un milliard de catapultes et tout. Franchement, je le sens pas plus que ça, moi. Ah, là, ils sont en train de se faire déglinguer. Ok, donc là, je donne mon territoire. Donnez. Vous ne pouvez pas effectuer cette action parce que vous êtes en siège. Ne pas s'en mêler. Hop. Donc là, mon territoire à moi, qui me rapporte. Il me rapporte combien ? Très peu. Très très peu. Très très peu. Attendez, j'ai du mal à comprendre là. Tax, ça doit être ça. Gaos, les villages, ouais, ça me rapporte aux alentours de 600, quoi, un truc comme ça, disons. Tribu des Kuzaïtes, Empire Occidental, gage du groupe principal. C'est où ? C'est marqué où le prix pour payer les troupes en garnison dans mon château ? J'ai bien des troupes en garnison. Ah non, il n'y en a pas ! Elles sont toutes mortes de faim. Donc en fait, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souce. Il y en avait 250 à la base. Hein. 250. Sont tous morts de faim. Allez, je donne gracieusement ce territoire où il n'y a plus un seul survivant. Parce que je suis un mec comme ça, moi. Alors, on va faire ami avec qui ? J'en sais rien. Qui est le plus puissant ? Se faire ami des puissants. Des puissants, pardon. Pharaon. Je sais pas qui c'est. Après, moi, j'ai pas énormément d'influence non plus. Mais j'ai pas envie de claquer toute mon influence maintenant, bêtement. Donc non, on se calme. Certes, j'en ai beaucoup, mais ça augmente très lentement et c'est seulement via les batailles, donc je me calme. Et je garde l'influence pour pouvoir justement voter sur toute l'attribution de ces territoires pour moi. Ce sont mes territoires. Là, on va aussi aider à prendre la forteresse. On y va. Petit boule au ventre, faut pas mourir, on y va. Pouette, 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 là ça va commencer direct. Tir de balise dans ma gueule, fini. Vite, 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 derrière la tour de siège quelque part. Non, non, je veux pas. Ok. Y'a pas une catapulte, quelque chose ? Y'a rien du tout. Oh là 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 là. Comment je me démerde, moi ? Ils vont nous bombarder avec les catapultes. Il faut que j'essaye de rester loin des copains pour éviter de me faire déglinguer par cela. Par ceci. Bon, on va voir. Mes hommes, je les laisserai bien à l'arrière du champ de bataille avec moi. Hein. Les petits copains. Deux, cinq, six.
Ah non, juste 5 et 6. 5 et 6, je les envoie dans le 2. Voilà. Le fait d'avoir des... Je sais pas. Le fait de transférer les troupes comme je viens de le faire, là, des fois ça marche, des fois ça marche pas. Et une histoire de... C'est en fonction de quand on est en attaque ou défense ou autre. C'est bizarre. Mais là, ça marche, donc je suis content. J'ai mes deux petits groupes avec moi. Et par où est-ce qu'on va passer? Alors ça, j'en ai aucune idée. On est sur une bataille avec 2000 hommes sur le champ de bataille. C'est très très cool. J'ai envie d'afficher le nombre de FPS juste pour avoir l'information. Parce que ça, vraiment, ça full lagué à une époque. Là, on va voir si ça tourne plutôt bien. Tail Wars a l'air de quand même avoir pas mal amélioré le jeu à ce niveau. On est sur un 45 FPS lorsque je regarde l'armée alliée, 30 FPS. Bon, on est quand même sur quelque chose de sympathique. Est-ce que pour jouer à Bannerlord, on a besoin d'un 60 FPS constant? Je ne pense pas. Est-ce que c'est une bonne idée de retirer de descendre mon canasson? Je ne pense pas non plus. Hein. Tu peux me rappeler le mode pour les 2000 troupes STP? C'est le mode Battle Size. Attention, il faut que vous ayez un processeur en béton pour jouer avec ça. Qu'on soit clair. Vous attendez pas à jouer avec un jeu qui enfin avec un processeur en galère quoi. Bon allez, en place. On va aider quand même. Hein. On va faire notre job. Allez, en place. Oh non, mais ils sont allés se mettre à perpète. À perpète les oies. Mettez-vous à côté. Ah voilà. Avec moi. Oh, c'est pas évident à cette distance, hein. Faut être ambitieux. Il faut avoir l'œil du faucon. Putain, tout le monde lui tire dessus, y'en a pas un qui touche. Ah voilà. Je suis à 1 cm. Non, y'a un mec qui m'a poussé. Ah bah merci, merci frérot. Tiens, attends, fais un pas à droite. Ah t'es bon là. Là t'es bon, sûr t'es bon. Oh non, ils ont pété la tour de siège. Oh non, non, ça commence à faire trop là. Commence à faire trop. Y'a un souci avec ça, c'est que quand y'a une tour de siège de pété, c'est qu'on peut pas avoir les échelles quoi. Ça, c'est vraiment... c'est problématique pour l'équilibrage du jeu, je trouve. Parce que des fois, du coup, c'est plus simple à défendre une forteresse attaquée par plusieurs tours de siège que une forteresse attaquée par deux échelles, quoi. L'œil de taupe. Captain, tu pourras faire une vidéo de ton setup sur YouTube STP? Je pense pas que ce soit mon délire plus que ça actuellement. C'est pas non plus un setup incroyable, huilé au pixel, comme les setups de gros créateurs de contenu, tu vois. Donc je sais pas si c'est vraiment un bon délire de se lancer là-dedans. Oh. Non, par contre, non mais attends, je viens de voir la catapulte, je suis désolé, mais moi j'attaque pas. Je suis désolé, hein. Mais comment dire que l'aventure peut s'arrêter là-dessus? Non mais... À un moment... Oh là là là... Non mais là c'est fichu si j'y vais, c'est fichu. Et mes copains ils me suivent mais... Oh, non mais regarde ça, j'y vais, je prends un boulet, c'est fini. C'est pas l'ordre de mon personnage de pas y aller hein. Ils avaient combien de troupes en défense? Parce que s'ils ont... Après, ça a l'air de passer là-bas. Hein. Oh là là, on y va. Avec moi! Et là, mais attendez, la catapulte, elle va tirer, elle va nous péter la tour de siège, non? Elle lui reste un PV à la tour de siège. Oh là là! Oh là là, la fin de l'aventure. Oh, c'est une fin de tournage. Oh là là, c'est une fin de tournage! Mais non, mais je peux pas rester à l'arrière du champ de bataille à branler. Il faut que je la prenne, ma forteresse. Oh, j'attends qu'il soit 300 parce que là c'est trop. Là. Déjà, rien que d'être là, c'est la mort assurée. C'est de la folie d'être là.
Là, je peux prendre un tir de catapulte paumé là. Oh là là, oh là là. Oh, j'ai pas envie, j'ai pas envie. Non, c'est de la folie. This is madness. Fuis pour ta vie, Captain. Oh là là. Non, voilà, voilà ce que je, voilà à quoi je peux servir. Voilà. Il n'y a pas un qui va tirer. Je te le dis, moi. Allez, hop. Non. Non, non. Sale bête. Il a tourné. Il a tourné, le connard. Il prend une flèche dans le dos, il prend une flèche dans le cul, il prend un headshot, c'est fini. Ah, la catapulte. Faut pas qu'elle tire sur la tour. Oh, bah, bah. Allez. Allez, range tes armes, va plus vite là. Oh là là. Oh là là, oh là là. Non, 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 poussez. Oh, c'est pas possible, qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi je suis en 1 FPS là? Ah non, si je meurs sur une chute de 1 FPS... Je mange mon chapeau. Allez. Ok, ok, on commence à être plus safe là. Ça va, ça va. Ça va, je me sens pas stressé. Oh là, oh là. Oh là, oh là là. Allez, venez là. Démon. C'est ça, fuyez devant moi. Mon dieu, c'est Jaffalès, courez. Il est revenu. Il est revenu, les confins de l'Empire, pour nous tuer. Faudrait peut-être que je vire les FPS en haut à droite là. Y'a quelqu'un? Je suis impressionné par l'optimisation du jeu, hein, pour être tout à fait honnête. Là, on a un siège avec énormément de troupes. On a des tours de siège qui fonctionnent avec énormément de troupes qui montent. Ça, il y a peu, ça marchait pas. Hein. Je mettais le mode battle size, c'est pour ça que j'avais arrêté de jouer avec d'ailleurs. C'est qu'avec le mode battle size, les troupes arrivaient pas à monter en haut d'une. De la tour de siège. Bon, après, là, on a quand même quelques frames qui freeze. Je l'avoue, je l'avoue. Oh là là, la retraite. La retraite de Russie. Ils sont où les méchants? Bon. Oh, c'était pas le plus glorieux de mes sièges, mais on est arrivé au bout. Si, on n'a pas le jeu qui crache avant. La moitié des forces HS. Il y en a beaucoup qui vont être morts voilà, de blessures parce qu'ils sont morts à cause d'une catapulte. Ah ouais, là par contre on est au bout du siège, là c'est compliqué. Là, j'ai parlé trop vite. Lorsqu'on est à 2000 et que les 2000 essayent d'attaquer le même endroit où il y a 6 pecnomans qui sont planqués sous un escalier, là c'est compliqué. Là on est sur autre chose. Ah ouais, là on est sur le... The Pinnacle. Dommage. Non, faut pas tomber. Non, c'est pas le moment de mourir en chutant à cause d'une chute de FPS ou quoi. Je me réserve le droit de faire appel au chat si c'est injuste. Tu dois avoir un monstre de PC. J'ai un bon PC. Et pourtant. Non mais ça, si c'était moi qui contrôle les champs de bataille, il n'y aurait pas de souci parce que je sais qu'il aurait fallu dire aux troupes F1, F6. Et j'aurais resté sur place. Mais là, c'est parce que c'est l'IA qui contrôle. C'est fou quand même, hein. Au moment où je dis tout est bien, je suis impressionné. Capoute. Cappuccino. Double musique en plus. Ah non, non, mais non, on va pas arriver au bout là. Attends. On va activer le cheat et je vais activer le... Je vais tuer les ennemis avec le cheat parce que là... Là, je sens qu'on va pas arriver au bout. On va pas arriver au bout. On va pas arriver.
On peut arriver au bout. Ça a l'air de fonctionner. Ok, c'est revenu, c'est revenu. Ils sont vraiment câblos là. Non, ils sont genre sous l'escalier. Ok, ok, ça suffit, ça suffit. Tu ne m'auras pas, Banner Lord. J'ai appris à te dompter. Tu ne peux rien faire face à ma puissance. Contrôle Alt F4. Tu ne peux rien contre moi. Je sais te dompter. Et n'importe quel autre streamer aurait dit, ce jeu il est nul. Regardez comme c'est bugué, c'est injouable. Mais ici, on joue. Bon bref. Beaucoup d'ennemis. Ah, pas tant que ça qui ont battu en retraite. Et pourtant, il faut aller dans le donjon. On l'enchaîne, on y va. Full fiant batanien. C'est parti. J'aurais pu faire une petite sauvegarde, mais bon, tant pis. Un poteau, donne-moi le poteau. On y va. Voilà, j'ai raté. Attendez-moi, les boys! Attendez! Hop là, j'enlève les FPS. Attendez! Laissez-les-moi! Dispersez-vous, pilonnez-les, voilà! Ils sont à moi, ils m'appartiennent. Bah lui par contre, il est parti tout seul. Hein. Lui, il fait sa vie, lui. Oh, c'est pas grave, c'est mon copain. Ils sont combien encore là? 9. 9 à tuer. Ça va, ça se fait. Avec le copain fiant batanien, c'est gagné d'avance. Vas-y, occupe-toi de lui! Je m'occupe des archers! Oh là là! Magnifique! On y va! Non mais attends, mais ils sont à moi quand même à la base. Ah ah ah! Il est à moi! Ok. C'est gagné. Il y a un mec, il a level up négativement. En face. Il a tellement pris cher qu'il est allé dans une autre dimension, visiblement. Ok. La musique de combat la plus extrême de l'histoire. C'est vrai que bon, on a la musique de carte de campagne là. Ça va pas très bien avec le délire. Assez bizarre d'ailleurs d'avoir ça. Je sais pas pourquoi. Qu'est-ce qu'on peut donner comme bouclier? Voilà, lui il a un truc nul. On va lui donner ça. Ça sera pas mal. Dégâts de taille. Voilà, c'est bien mieux ça. Voilà, ça va te faire plus de plaisir ça. Tout le reste on prend, c'est parti. Regardez à vous, merci pour votre aide lors du siège de Hunsfuluk. De plus récupérer du butin. C'est pas le pillage de la vie car vous ne faites pas partie de l'armée qui l'a prise. Très bien. Maintenant, c'est le moment où il faut que je me fasse attribuer la ville. Et on croise les doigts pour que ce soit le cas. Pour que tout se passe comme prévu. J'attends un peu dans la ville. On va voir ce que ça va donner. Le vote n'est pas encore lancé. On a perdu des camarades du coup là-bas, mais en fait je trouvais ça très bien qu'ils se fassent déglinguer et que c'est suite à la prise de cette ville-là qu'il y a ce vote pour ces châteaux-là. Parce que ça veut dire que là je vais avoir la priorité pour la ville, vous voyez. Alors que je sais pas si j'aurais eu la priorité pour le château si c'est ce château-là qui aurait été pris en premier. Et moi je m'en fous du château, je veux d'abord la ville et puis après s'il y a le château à me donner, pourquoi pas le château quoi. Bref, normalement je suis dans la vote et même tout le monde vote pour moi, c'est formidable. Je vais même pas voter pour moi. Parce que ben, sinon je vais me faire des relations négatives avec les autres. Quand même pas mal de gens qui m'aiment pas trop. Hein. Ok. Et donc là, on a une super ville avec une prospérité tout à fait correcte. On est loin de... Ouais, on est la ville presque la moins riche de l'Empire. Mais quand même, 3500 pour une ville, c'est quand même bien de prospérité. Et là, elle va me rapporter du coup
Voilà, plus 2000. Alors, je sais pas pourquoi c'est marqué 2 taxes, 2,60. Mais j'ai l'impression que ça correspond du coup à ma ville Hunsfluk. Et elle me fait 1300, sans compter les villages, sans compter les droits de douane. Franchement, c'est très très bien. Elle me permet de récupérer par jour ce que mon armée me coûte presque. Donc, voilà. Voilà le délire. Et on pourrait même, dès maintenant, partir sur une strate de j'achète des petits commerces là-dedans. Des petits ateliers. Je pourrais, hein. On y va, on va voir. Attendez, déjà je vais regarder les stats de la ville. Qu'est-ce qu'on me dit au niveau des stats de la ville? La sécurité, tout ça, comment on est? Présence, plus 5. Alors déjà, voilà, parce que je suis là, il y a plus 5, mais sinon on serait en négatif. Problème de ville, village lié. Alors il y a des quêtes à aller faire dans les villages liés, mais comme on est en guerre, c'est pas le moment. Au niveau de la milice, il n'y a rien du tout. Au niveau de la garnison, il y en a un petit peu. Ok. Et la loyauté, pas terrible. Est-ce qu'on n'aurait pas... Oh là là! Oh là là, commandant! Oh là, madame. Yours is not a face I know. What Attends. Is your name, stranger? Je dois partir. Attends, deux petites secondes. Je reviens. J'ai un autre personnage qui est Azerai, je crois. Mais... Belle-sœur Jafares. Oh la belle-sœur! C'est vrai que j'avais oublié que j'avais marié mon frérot. Mais c'était aléatoire complet, ça. Hein, le fait de marier à une meuf avec des bonnes stats. C'est incroyable. C'est incroyable, c'est le destin. Gérer la ville. Et hop, on met la belle-sœur. Et comme ça, bonus de loyauté comme elle est à Zeraï. Voilà. Enfin, pas de malus du coup. Pas de malus de loyauté comme c'est un bon gouverneur. Et voilà. C'est formidable. Puis elle a des compétences en intendance, donc ça va aider. Est-ce qu'on met du pognon dans la ville direct là pour augmenter tout ça? Je sais pas, Bante. Vitesse de réparation des murs, vitesse de production des engins de siège, atelier. Moi je dirais d'abord construire ça. Hein. Alors ça c'est bientôt fini, donc d'abord ça, puis ensuite on va construire. Bah, si j'ai le temps de revenir pour organiser les constructions, je remettrai de l'atelier quoi, mais sinon on va faire place du marché pour récupérer des taxes et puis voilà ça. C'est très bien pour la loyauté et l'influence. Sinon on va dire... l'irrigation de base. Voilà. C'est très bien. Salut les petits commerces, moi ça rapporte presque rien. Même en faisant attention aux besoins, etc. Bah ça dépend. J'avoue que moi j'y connais pas grand chose non plus. Combien j'ai de villes rattachées? Ah ouais, j'ai deux villes rattachées. C'est des canassons et des dates. Et il me semble que du coup il n'y a rien du tout qui correspond en termes de production de goods, de production de d'objets à commercialiser quoi, assez ressources, donc bah je m'en fous un peu quoi. Oh la bière, par contre il y a pas de bouffe, j'ai pas vu ça. Et au niveau de la nourriture on est comment? Ah si, pourtant il y a vachement de bouffe, mais quand je vais dans le commerce il y a plus rien. Ah, c'est parce que les copains, ils ont tout acheté. Les copains, ils ont acheté... en rentrant dans la ville, ils ont dû refaire leur stock de nourriture, ils ont tout acheté. Très bien. Et la bière, elle vaut combien? Ouais, c'est cher. Vas-y, je m'en achète un petit peu parce que... Il faut bien récompenser mes soldats. Leur donner un peu de morale, tout ça. Après, on est déjà à 100% de morale. Bon, ça augmente mon attendance, c'est très bien. Tu recrutes pas le perso de la taverne pour une prochaine ville? J'avoue. Très bonne idée. Allez hop, je fais ça. Tu as raison. Prochaine ville, on a besoin de personnages à zéro. Tout à fait. Très bien vu. Bien vu. Raksar. Au niveau des troupes, on est pas mal. Je crois que j'ai perdu aucun soldat du coup. Ah. Il va falloir laisser quelqu'un. Ah, il faut désactiver les cheats. Sinon, c'est problématique. Voilà. Alors, gérer les prisonniers, déjà. Oh le plaisir! On va peut-être laisser les seigneurs ennemis emprisonnés. Oh là là, le petit plus 20k, là!
Mouah. Mouah, j'adore. C'est magnifique. On va peut-être laisser les seigneurs ennemis emprisonnés dans le château pour faire en sorte que l'ennemi ait moins de force à m'envoyer dans la gueule. Moins de soldats à m'envoyer. Ça sera pas mal, je pense. Je vais laisser quoi? J'ai pas des petites armes à deux mains qui me servent à rien, là? Genre des ménavillons, des trucs comme ça? Non. Non, 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 j'en ai pas, non. On va laisser une troupe comme ça. Ça sera pas mal. Peut-être que je peux recruter quelques troupes. Et le reste, je le mets en garnison. Ça sera pas mal. Voilà. Bon alors, j'ai géré les constructions de la ville. J'ai géré mettre un gouverneur. J'ai pas acheté de propriété. Mais, enfin, d'atelier. Mais en même temps, les ateliers du coin, ça va rien me rapporter, j'ai l'impression. Donc ça ne m'intéresse pas. Suite à ça, on est pas mal. Et on peut continuer. On peut même directement aller assiéger ça, qui est simplement à 44 défenseurs. Avec énormément de prisonniers à l'intérieur. Oh là là, il y a un délire à faire, là. Il y a un délire. En plus, ils vont venir m'aider, c'est sûr. Genre, si je regarde les armées, c'est sûr qu'ils viennent assiéger ce château, exactement. Donc si je suis le meneur du siège, c'est bon pour moi. Par contre, il faut qu'ils viennent m'aider, là. Ouh ! Ouh ! Venez m'aider, les gars ! Ouh ! Ok, ça va, ça passe. Ça passe, ça passe. Ils m'ont fait peur, hein. Ok, on est bon. Je vais pouvoir augmenter mon ingénierie. Ah, d'ailleurs, j'ai pas chopé un petit point de compétence parce que là... Là, c'est problématique, hein. J'aurais pu augmenter mon ingénierie là-dessus. Et au final, j'ai pas mis de points. Tant pis, ce sera pour la prochaine fois. Plus 10 d'armure en étant à pied. Ouais. Ouais, 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 c'est pas mal. Plus 50% de résistance contre l'étourdissement quand vous êtes à pied. Chef de groupe, moins 1% de consommation de nourriture dans votre groupe. Capitaine, plus 5% d'armure pour toutes les... aux troupes d'infanterie dans votre formation. Moi j'aime bien l'histoire d'avoir plus d'armure et de... Je m'éloigne de plus en plus de la mort avec les stats que je me donne. Ça m'ira très très bien. Bon là... Là on se fait même pas chier à faire des armes de siège ou autre. À vrai dire, on attaque direct comme ça. Vous ne dirigez pas ce siège. Hein? Mais c'est... Okay. Mais pourquoi? Mais c'est moi qui ai lancé le siège. Elle est venue, elle m'a poussé. Elle a dit merci d'avoir merci d'avoir planté les tentes. C'est pas toi qui a initié l'assaut. Comment ça? Je crois. Mais c'est moi qui est venu et qui a dit assiéger, non? Si pourtant. C'est la première fois que je vais faire ça. Alors, on est d'accord que dans la logique, la reine qui dirige le siège. Ah, c'est peut-être parce que c'est l'impératrice et qu'il n'y a que elle qui prend la priorité comme ça. Ah, c'est le chef de faction. Ok. Putain, c'est la première fois que ça m'arrive, je crois. Ouais, vous avez raison. C'est... Non, je pense pas que dans cette version, si une armée rejoint, je perds le contrôle. C'est juste parce que c'est Ragaïa. C'est juste parce que c'est l'impératrice. Si ça aurait été une armée d'un seigneur, j'aurais pas perdu le contrôle. Bon, après, ça sert à rien, là. Passe à l'assaut, on n'en peut plus. Il va attendre qu'ils aient une catapulte. Oh! Enfin, il. Elle. Ah, il faut y aller, là! Oh! Non, mais laissons-leur une chance. Non, mais on joue le beau jeu, voilà. On leur donne une chance de nous pilonner, hein. Non, parce que Philippe, il m'a mangé ma gamelle hier soir, là. J'aimerais bien qu'ils prennent un caillou sur la gueule, donc... Donnons-leur une chance de nous éclater, Philippe. Non mais non, non c'est emmerdant là. Non mais moi je vais pas y aller hein. Je suis pas d'accord. Oh, ils sont en train d'assiéger ma ville en plus. J'ai même pas regardé ça. Bon tant qu'il y a pas l'enceinte des murs là. Enfin le camp fortifié. J'ai l'impression que c'est buggé. En fait. Si je pars. Est-ce qu'elle lance l'assaut? Regardez, elle a lancé l'assaut instant, je pense que c'était buggé. Allez, on sauvegarde au cas où on a un crash. Et là, je vais laver mon honneur. Là, j'y vais en mode je bombarde. Je rush pour
pour être en première ligne. Sûrement une mauvaise idée. Avec moi, mes hommes! Allez, canasson! Il est rentré dans plein de mecs. Vous avez entendu les bruits? Le cheval, il est parti tout droit. Attends, je vais peut-être mieux me placer parce que là, je vais prendre tout dans la gueule. 4, 5, 6, 7. Hop. Allez, en place. Ils sont où, mes gars? Ils sont loin, mes gars, là. Il y en a un qui veut se pointer? Je lui montre, moi, comment on fait, hein. Comment je traite avec les anciens copains Azeraï. Soit vous êtes avec moi, soit vous êtes contre moi. Non, lâche ce caillou. Tu vas te faire mal. Dans la tête. C'est raté, ça part dans le bouclier. Oh là là, ils sont allés direct. Oh, c'est quand même ambitieux ce que je suis en train de faire là. Attaque! Tiens, connard. Le caillou qui est pas passé loin de la mort. Hein. Le caillou vicieux. Hein. Casse-toi avec ton caillou! Oh, alors toi. Oh, toi, t'es pour moi, toi. Toi, je te déglingue, toi. Laisse-le moi! Oh, les salauds. Tiens! Sale bête! Oh là là. J'ai un pot de feu. J'aimerais l'utiliser, les gars. Oh là là, le bug de texture de lumière, là, c'est quoi ça? Allez, poussez, hop, voilà. Oh là là, c'est quoi ce bug de texture terrible? Non, c'est chiant ça, hein. C'était pas trop comme ça avant. J'ai cru assister à la fin, on était pas loin, hein. Le caillou, c'était pas loin de la fin. On est vraiment pas passé loin, là. Première ligne, mais pas trop. Comment ça, première ligne, mais pas trop? J'étais en première ligne? Balle! Quel est ce maléfice? Non, tu touches pas à ça, mec. Je te jure, tu touches pas à ça. C'est nouveau, ça, le fait qu'il y ait des cailloux partout sur cette map, là, et qu'ils lancent des cailloux où ils veulent. Il y en a à chier partout, regardez. Il y a des cailloux là, il y a des cailloux derrière, il y a des cailloux au niveau des échelles de l'autre côté. J'ai jamais vu ça, moi, sur cette map. Jamais vu, moi. T'as installé des mods? Ouais, il y en a quelques-uns, ouais. Globalement, la liste des mods que j'utilise, elle est sur le Discord des combattants, dans le channel prévu à cet effet. On prend tout. Hop. On prend tout. Et après, hop, donner à la garnison. Je trie par niveau. J'améliore ce que je peux. Et on donne les troupes nulles. Arme à deux mains, peut-être. Voilà, ça s'attège. Attends, mais il y avait des troupes qui étaient pas du tout... Qu'est-ce que c'est, connerie, hein? Ça m'a pas du tout trié comme il fallait, là. Qu'est-ce que c'est que ça, là? 1, 2, 3. Voilà. Voilà. Et maintenant, on va aller sauver notre territoire avec les copains. L'idée. On va voir ça. Peut-être qu'ils vont passer à l'assaut tout de suite, là, donc on va se rapprocher, on va attendre que les autres arrivent.
Il se barre. Il se barre, les putes, il se barre. Revenez. Non, non, vous déconnez. It's a joke. It's only a joke. Ah, elle est marrante. Hein. Ah, qu'est-ce qu'elle est drôle. Ok, vote pour le château. J'ai rien d'autre à faire, hormis juste participer au vote. Oh là là. C'est pour Bibi. C'est pour Bibi, il n'y a même pas besoin de voter. En première ligne, regardez-moi ça, ce que ça me rapporte. Incroyable, la gloire éternelle. Bonsoir, bon jeu. Salut Sabo. J'espère que tu vas bien. Bienvenue sur le stream. Hop là, château rempli de troupes. Ah non, rempli rien du tout. Ils ont rien mis les autres. Juste moi qui a placé des troupes en garnison. S'il lance l'assaut, je défends. Hein. Et là, ça y est, il y a les copains qui arrivent. Qu'est-ce qu'ils font? Ils dansent la Macarena. Arrêtez! Non, vous avez pas le droit. Ne m'abandonnez pas. Ne me quitte pas. Vous allez les déglinguer et vous dépêcher. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font? Ils s'en vont. Par contre, j'en ai marre à chaque fois. Ma souris, elle veut pas. Ma souris, elle veut pas là. Allez, donne-moi les infos. J'en peux plus. Quand quand les nombres de soldats dans la ville commencent à baisser, ça veut dire que l'assaut est lancé. Ok, donc là, l'assaut est lancé normalement. Je vais juste vérifier qu'il y a des morts de mon côté. Ah, non, l'assaut n'a pas l'air lancé en fait, j'ai rien dit. Juste, ça va commencer à bombarder. Ok, donc ça bombarde. Ma ville se défend sans aucun souci. Visiblement, pour l'instant, ça se passe bien. Je dois étudier de la zoologie MDR, malheureusement. J'imagine que ça peut être passionnant. Bon courage si ça ne te plaît pas. Bon, pour l'instant, ça bombarde. Ah, ça y est, le combat est lancé. Le combat est lancé. Oui, c'est bon, le combat est lancé, ils arrêtent de bombarder. Entrée pour défendre. Vas-y, je vais perdre 25 troupes, mais c'est pas grave. Je le fais, je préfère ça que d'attendre, de perdre toute ma garnison et d'attendre les copains. Je le fais. Hop. Aider les défenseurs. Et on y va. Sauvegarder. Et on y va. Attaquer. Pourquoi j'ai moult problèmes d'affichage de lumière là. J'ai l'impression que c'est des problèmes différents par contre. C'est pas le même problème que ce que j'avais avant. Mais c'est chiant ça, dis donc. Oh. Petite question Redfield dans le chat là. Tu saurais... juste on fait spawn des chevaux mais comme avec le scatter 1, tu sais. Et juste on teste hors live si le mode serait faisable. Non, faut qu'on arrête de se lancer sur 40 000 trucs à la fois. Non, j'ai rien dit. Non, parce que j'avoue que cette idée de... Il y a une petite étable dans les rues des villes. Et tu vas y chercher quelques canassons. Et à la fin des batailles, hop, tu cours après les ennemis. Je trouve l'idée sympathique quand même. Enfin bon. Qu'est-ce que je veux faire avec mes soldats? Je ne sais pas. Déjà, lui, est-ce qu'il donne des compétences comme il faut? Oui. Moi, je donne des compétences comme il faut. Lui, il donne bien. Voilà. Lui, par contre... Il n'y a que deux régiments d'infanterie. Oui, parce qu'ils n'ont pas de bélier. Si? Si, ils ont tout. Voilà, attendez, il faut que j'organise mieux les catapultes, parce que là, catapultes, c'est pas easy. Donc là, c'est full échelle, ok. Moi, je dirais... Là, à mon avis, depuis cet endroit-là, on peut tirer à la catapulte. Je vais mettre la catapulte qui envoie plein de projectiles. Et qui fait pas mal de dégâts aux armes de siège. Ici. Comme ça, elle va pouvoir tirer sur la tour de siège. Et le bélier et la tour de siège, je pense qu'elle va continuer à pouvoir tirer dessus, même avec cet angle-là. Même si ça reste à vérifier. Et le bélier, il faut l'abattre dès que possible. Et ce sera sûrement là. Parce que si je le mets là-haut, certes, je peux lancer des boulets de feu sur ceux qui montent. À la tour de siège, qui serait pas mal, hein. Mais si je me rate au tout début à tirer des boulets sur ça et que ça le casse pas,
C'est chaud. Alors que là, il y a une plus grande, un plus grand temps où je peux lui tirer dessus, quoi. Et pareil, il y a peut-être un monde où je peux tirer sur la tour de siège alors qu'elle est placée. Après, si je détruis les deux armes de siège, il se replie instantanément. Alors que j'aimerais bien qu'il s'empale sur mes murs aussi. C'est ça le délire aussi. Eh. Hey. Je ferais bien un truc du style... Ouais, mais au pire, je prends mes boulets de feu et puis je viens et je les balance d'ici, quoi. Allez, ça ira bien comme ça. Allez, je fais ça. Elle, j'aimerais bien qu'elle soit là avec l'infanterie. Voilà. Et tous les autres, ils font leur vie. Est-ce que ça va marcher ou est-ce que ça va réorganiser mes groupes n'importe comment? Je ne sais pas. Oh, j'ai un engin de siège que j'ai pas déployé. Imbécile. La baliste. Évidemment. La baliste. La baliste. Allô? Qu'est-ce qui se passe? Moi, oh, je peux plus cliquer. Je peux plus cliquer. Allô? Ça marche plus! Attention aux échelles. Ouais, j'ai vu, mais là, ça va se tenir, ça. Sans souci. Ouais, je pense. Ah! C'est pas du tout ça que je voulais faire, mais... visiblement, en cliquant sur la base, ça fonctionne. Ou pas. Putain. Pourquoi ça fait ça? Je vais devenir dingue. Eux, ils étaient là, à la base. Hein. Voilà. En fait, je ne veux pas sélectionner une formation. C'est possible, ça? S'il vous plaît. S'il vous plaît. En fait, j'ai un souci, là. C'était pas mon projet de vie, à la base, de placer des troupes tout le temps. Échappe. Ok, échappe, ça a l'air de fonctionner. Ok, échappe. La touche échappe. À retenir. Pourquoi, par contre, elle a cet angle-là terrible, la baliste, alors qu'elle pourrait tirer tout droit comme ça? Ça me donne pas du tout envie de la placer ici. Mais bon, c'est pas grave, on y va. Ça me paraît pas mal du tout. Et au niveau des archers, est-ce qu'il y aurait moyen de placer un peu plus les archers un peu mieux? Ce sera fait pendant la bataille, je pense. Allez, on y va. On va doubler le nombre d'archers sur le mur déjà, ça sera pas mal. Et ensuite échappe, ouais échappe c'était la bonne touche, ouais, bravo, je viens que de voir le message, c'est dommage. Mais bien joué. Bon en vrai j'essaye de juste de péter les deux armes de siège et tant pis. Hein. Surtout le bélier, c'est le plus important. Alors, on fait voir la portée. Trop loin, trop court. Trop loin. Ok, donc on va mettre au troisième cran. Et on va tirer toujours dans l'axe. Spam clic gauche, ça va vite dès qu'on peut. Trop loin encore, bordel. Je vais tout rater. Aïe aïe aïe. On va mettre au deuxième cran. Non, même un peu plus loin que le troisième cran. Deuxième cran. Trop court? Non, nickel, bam, en plein dedans. Ok, ça passe bien. Je dirais un peu moins que le deuxième cran du coup maintenant. Allez, feu. Un peu court. Ah, un peu court. Prochain tir, je bouge pas et ça va être la bonne. Bien. Hop là. Ça a fait que 57 de dégâts. Aux alentours, visiblement pas à la tour de siège en plus. Enfin, au bélier. C'est pas grave. On y va, ça va le faire. Je réduis un tout petit peu la portée et je retire. Hop là! Alors! Et maintenant à droite. Est-ce que. Ah, alors la grande question, est-ce que j'ai bien l'angle ou pas? Visiblement, ouais, je peux pas mal tourner. On a l'air tranquillou au niveau de l'angle. Je vais mettre à cette portée là. Peut-être un peu court. Oh, juste un peu court. Prochaine, c'est la bonne. Et ça mériterait que je tire à peine plus à gauche. Hop. En plus que la tour de siège se décale. Un peu plus à gauche encore. Hop. On y va, tourne. Oh, c'est passé à côté, saloperie. Allez, encore.
Ok. Ça touche. Encore deux et on est bon. Et ensuite, ils vont tous venir par les échelles. Est-ce que ça sera le meilleur move? Je sais pas, mais... Des possibilités qu'ils se mettent tous à se replier, mais bon, on verra. Sur mon groupe numéro 6, j'ai mon infanterie comme il faut, hein, donc on est pas mal. Ah, et ben voilà, je peux l'envoyer à charger. C'était ça le but à la base, mais... Mais du coup, je suis un peu déçu. J'aurais aimé que l'ennemi vienne un peu plus sur ma gueule. Allez, je tente les tirs à distance. Allez, j'essaie de leur courir après, voir si l'idée du mode qu'on avait serait faisable sans modifier à quel point les mecs fuient longtemps en fait. Oh non, c'est emmerdant. Non, ça m'emmerde. Ça m'emmerde. Hop là, je saute. Et je ressaute. C'est bien, je vais me bousiller des HP pour le siège. Sans même avoir combattu, tiens. À tous les coups, je me prends un tir de boulet. Vous voyez pas le délire? Attendez. F1, F7. Normalement, c'est censé les faire arrêter d'utiliser les armes de siège, je pense. Ouais, si j'avais voulu faire ça dès le début, ça aurait été un vrai truc, hein. Après, est-ce que c'est très RP? Parce que normalement, ils sont juste censés retourner à leur campement, vous voyez? Ils sont censés y rester. Ils sont pas censés fuir jusqu'à Perpète les Oies si on gagne le siège comme ça. Parce que pour ceux qui viennent d'arriver sur le live, on était en train de réfléchir à un mode, en mode... Il y a une petite étape dans la forteresse qui nous permettrait d'aller récupérer des chevaux pour courir après les ennemis dans cette situation comme on est là. Mais bon, je sais pas si ça serait cool. Bon, en tout cas, voilà, YouTube, c'est la fin de cette première VOD de la journée sur Mountain Blade de Bannerlord. On a fait moult choses, notamment prendre nos premiers territoires chez les Azerai, le début peut-être de notre futur empire, en tout cas, le début de quelque chose pour avancer vers la victoire finale de la quête principale. Bon, peut-être que c'est trop s'avancer pour l'instant, parce que plus d'une fois dans cette VOD, je suis passé très proche de la mort. Mais voilà, c'est en faisant un peu de RP du perso, je suis obligé. Je ne peux pas rester à l'arrêt du champ de bataille sans rien faire. Bref, on se retrouve au prochain combat. N'hésitez pas à mettre un petit like et un commentaire si vous voulez soutenir l'aventure. Hein, ça demande pas mal de temps et tout, d'investissement. Là où sur YouTube, c'est plus intéressant de faire des petites aventures, hein, courtes qu'on répète rapidement pour faire des vues. Là, on se lance dans un vrai truc puissant et long. Ça fait plaisir aussi. Des bisous, on se retrouve au prochain combat.